Sexo Max. Hello tout le monde, salut, pénis. Les conseils sexuels de Calmos. Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. Avec Sexo Max. Pénisum. Schnariflare, schnariflare, pénisum. Enculus, enculus, pinarum. Pinarae. Penisum. Penisum. Sempiternal, sempiternal penisum. 36, 36 sexual. Par exemple, Franck Matum. Tous les lundis, un petit conseil sexuel. Tous les lundis, un petit conseil sexuel. Est-ce que ça joue pénis? Ah. Oh là là, fou, sacré intro. Hein. Cher Sexomax, pourquoi que qu'à chaque fois que je cause avec un zig, il passe sempiternellement son temps à reluquer mes deux immenses meulasses plutôt qu'à écouter mon histoire de mes vacances à Oslo, qui étaient quand même des super vacances. C'est pas bien poli? Que hommes à tout faire, signé Bouzeuse. Chère Bouzeuse, pas facile en effet de causouiller le bout de crâne. Avec un mâle hétérosexe quand on est équipé comme toi d'une double laiterie spacieuse avec pignon sur route. À ne pas douter, rien qu'en mentionnant à l'instant tes deux besaces en train de respirer l'air frais du Val d'Anivier, on a déjà perdu l'attention de deux, trois loustiques. Alors pourquoi que les bons hommes sont tourmentés à la vue de balustrades solidement charpentées, Franck? Eh bien, rien n'est moins sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Sexo? Je veux dire par là que même pour la communauté scientifique des chercheurs en loche, c'est pas bien clair. Il y a prétor de théories qui s'affrontent, on en a pas besoin de trouver encore une qui semble expliquer à 100% la fascination des bons hommes pour une belle paire de mousus. Mais il y a quoi comme théorie, par exemple? Les experts en nichonnerie évolutive, eux, ils disent qu'une zoulette pourvue d'un colossal tandem de tchouch représente pour un manse un signe, par exemple, de bonne santé et de vigorance. In extenso, ce serait donc, si vous voulez, le symbole d'une pondeuse de première classe, bien 1950s, qui saurait prendre soin des pitchounets tout en sachant réaliser d'excellentes tourtes aux œufs. Le problème de cette hypothèse scientifique, c'est qu'elle perd un peu, donc les mecs, évolutionnement parlant, ils pensent avant tout à déflaquer dans un maximum de minouches, indépendamment de la taille des plots qui vont avec. Donc, ça explique pas bien, si vous voulez, pourquoi les nanas plates comme des affiches de Pestocle n'aient pas disparu de l'évolution déjà à l'ère du Mésozoïque. Et je dis ça sans méchanceté, hein, moi-même étant plutôt un aficionados des fions. D'accord, une autre théorie? Alors, il y a tout, mais une des plus saugrenues, si vous voulez, une des plus, si vous me passez l'expression, funambulesque, c'est celle-là qui dit que parce que les singes, ils pinent sempiternellement par derrière, ça voudrait dire qu'ils préfèrent les fesses. Du coup, les bons hommes qui sont au fond leurs descendants, ils aimeraient les gigapères de tits parce que ça ressemble à des culs. Non mais, voyez à quel point on est confus sur la question. Oui. Hein, après c'est quoi, il ne manque plus qu'il nous lâche pas une petite Louise au visage, on est content. Allez, stop hein. Ouais, ça va un petit peu trop loin. Ça va trop loin. Oh, hey. Mais il y a quand même, Sexo, une théorie qui se détache, qui pourrait permettre d'expliquer le problème de bouseuse ou pas. Alors, il y a la dernière en date, qui est plutôt neurologique et, bien que pas complètement satisfaite,
Qu'est-ce qu'elle a de cool, celle-ci, c'est qu'elle fait plaisir à tout le monde. Je m'explique. D'un côté, elle dit que ça fait plaisir aux messieurs, parce que depuis que quand ils étaient tout baby, quand ils suçaient les rondins de leur mamiche à la recherche de Rivilable édition Nibar, ça leur procurait un tel fun et une telle dopamine que ça les a jamais quittés. De l'autre, ça ferait aussi plaisir aux meufs, parce que chez elles aussi, autant l'allaitement que le fait de se faire pomper les balles dans un but non fromager générerait une hormone proche de l'adrénaline qui ferait qu'elles n'ont plus Dieu que pour la personne en train de faire du ragoût avec leur nichon. Une vraie relation gagne-gagne qui, alors si elle n'explique pas vraiment pourquoi les hommes homosexes et les femmes hétérosexes s'en foutent des Robert, aura peut-être le mérite de faire relativiser un peu bouseuse. Merci Sexomax et merci bouseuse pour ta question. Bonne chance avec vos meules et à la semaine prochaine, Sexo. Toi, ça va avec tes nénères ? Personne t'embête ? Non. C'est bien.